C'est normal, ça a importé l'objet, ne vous inquiétez pas. Et ben j'ai plus de tête, voilà. J'ai plus de tête, ça a disparu. Non, attendez, je suis pas fou, hein, si je me rapproche comme ça de ma caméra, c'est ce que je suis en train d'essayer de la régler en même temps. Ok, bon, aujourd'hui, toute nouvelle vidéo sur la chaîne YouTube. Encore un tout nouveau glitch, mais franchement, un glitch qui est super marrant, et je pense pour troller vos potes, c'est clairement, et c'est même sûr à 100%, le meilleur glitch de Fortnite. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment est-ce qu'on peut faire disparaître la tête de son skin, mec, c'est un gros délire. Vous arrivez comme ça avec un skin sans tête, je peux vous dire que vos potes, ils vont avoir une sacrée réaction. Je l'ai fait à un des abonnés déjà, il était en mode, oh, mais Rafi, t'as peu de tête. J'étais mort de rire. Et je lui dis, bah non, moi je le vois pas. Et je jouais sur ça pendant 20 minutes. Rafid, c'est trop bizarre. Rafid, ça fait. J'étais KO. Bref, du coup, aujourd'hui, je vais vous apprendre comment est-ce qu'on fait ça. C'est parti. Bon, hein, si jamais, juste avant de commencer la vidéo, vous avez le droit de vous abonner. Pour les petits nouveaux, ça ferait super plaisir. Pour les copains fidèles à la chaîne, je compte sur vous pour mettre votre petit pouce bleu. On va essayer de faire 400 likes sur cette vidéo. On va monter un petit peu le niveau. Ça va être compliqué, mais vous pouvez y arriver. Également, si vous voulez, il y a tous mes réseaux sociaux dans la description. Et il y a également mon Twitch. Il y aura bientôt des streams du soir. Donc, ça se passe là-bas. Donc bah du coup c'est simple, hein, rendez-vous sur Fortnite et vous allez du coup devoir aller en mode créatif. Vous allez devoir aller dans votre île bien évidemment. Et on va reproduire une petite technique que vous connaissez, je pense certains. C'est une technique qui permet en fait de se transformer en objet et de pouvoir l'importer dans la map. On va s'en servir pour faire bugger le jeu et faire disparaître la tête du skin en fait. Enfin je vais vous montrer, c'est assez marrant. Donc pour ça, rendez-vous dans votre île créative. Vous allez du coup vous rendre au niveau de la faille pour aller à l'accueil créatif. Comme d'habitude, vous allez prendre le petit transformateur, le petit piou-piou comme on l'appelle, hop, vous prenez votre piou-piou et vous mettez dans la faille pour vous téléporter et vous allez du coup devoir mettre à côté de la faille un objet qui fait à peu près votre taille. Donc bah moi j'ai pris cela, voilà, il faut à peu près ma taille. Il faut en fait avoir un truc qui soit pas trop grand ni trop petit pour éviter de faire trop bugger le jeu. Donc moi je propose qu'on essaie avec ce panneau, cette télé, je sais pas comment ça s'appelle. Donc bref, on va dans la faille, vous allez prendre votre pistolet, vous allez cliquer sur un des objets que vous avez mis à côté, ça va vous téléporter dès que vous allez vous transformer. Bon oui, il y a des dommages collatéraux, c'est normal, ça a porter l'objet, ne vous inquiétez pas, d'ailleurs je peux même pas le casser. Ensuite vous retournez dans votre île créative et par contre cette fois-ci cette particularité c'est qu'il va falloir aller dans les préfabriqués et poser un spawner de canon. Voilà, moi j'en ai déjà posé un au préalable parce que j'ai essayé, donc j'ai posé un canon ici. Vous pouvez le faire avec un petit objet ou un grand objet, peu importe, c'est vraiment vous qui voyez. Ensuite vous allez devoir rentrer, mais pas rentrer à l'arrière, vous rentrez vraiment à l'avant du canon, donc directement dans l'endroit où vous vous propulsez en fait, hein. Et le truc c'est que comme quand vous êtes dans un canon il y a juste la tête qui dépasse, bah en fait ça va faire bugger votre skin et enfin je vous spoil pas, vous allez voir. Donc voilà, là vous avez vu, je suis rentré dans le canon et dès que je suis rentré ça m'a éjecté automatiquement. Et regardez, et ben j'ai plus de tête, voilà, j'ai plus de tête, ça a disparu. Donc vous pouvez aller dans l'île, hein, si vous voulez après avec, vous pouvez faire ce que vous voulez. Mais voilà, du coup j'ai plus de tête sur mon skin, c'est assez marrant, regardez même quand je nage. Parce que là du coup j'ai pris un objet qui était un petit peu plus grand que la normale. Donc vous pouvez voir que quand je nage, bah en fait je nage mais il y a juste mes pieds dans l'eau. Et regardez, quand je nage du coup mon personnage il flotte à la surface. Et puis voilà, du coup il a plus de tête. Avec la banane aussi, il faudrait essayer que la banane, parce que c'est une tête assez grande. Faudrait voir ce que ça peut donner. Même avec des skins où il y a la tête comme le skin Galaxy, parce que je suppose que comme il y a des lumières, ça doit les laisser. Et la tête, elle doit disparaître ou un truc comme ça. Et puis voilà, hein, j'espère que du coup vous aurez kiffé cette petite vidéo. Et puis voilà, on se recapte très bientôt du coup pour d'autres vidéos et d'autres vidéos de glitch sur la chaîne YouTube. Les petits nouveaux, pensez à vous abonner. Les copains, mettre le petit pouce bleu. C'était Rafid, c'était votre tonton Tacos. Ciao, ciao. Par contre là, je suis devenu une télé. Je sais pas pourquoi. Fighting to stay in my face, live on my own cause I feel out of place. If you can hear me then rescue me please, cause I'm drowning in pain and I can't even breathe. Save me from pleasure, I'm lost in my soul. These pills leave you empty and